Ambulances calcinées, hôpitaux attaqués puis fermés, agents de santé pris en otage et patients violentés. Triste tableau en période de conflit armé. Un tableau familier aux volontaires de la Croix-Rouge, car la structure a bien souvent fait les frais de telles violences. Soutenue par le Comité international de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire s'engage alors dans des actions de sensibilisation sur le sujet. Première cible, les élèves. Et le message est véhiculé à travers un concours. En compétition, 9 établissements scolaires d'Abidjan et d'Anyama. Au bout de 3 mois, 3 sont retenus pour la finale. Et c'est le collège Les Pigeons de Yopougon qui remporte la palme d'or. Le concours dénommé « Soins de santé en danger » est à sa première édition. À la clé cette année, des fournitures scolaires et du matériel d'assainissement.